Salut les amis, c'est le moment de la pause. Ça fait du bien. Regardez tous les t-shirts, la montagne de t-shirts que vous nous donnez. Franchement, c'est cool. J'ai pas compté encore, mais merci du fond du cœur. Donc, comme quoi, de faire des efforts. Ah, je me repose parce que là, j'ai fait 4-5 heures de papier de l'administratif. Et tu as des administrations. T'as une administration qui utilise un terme, l'autre qui utilise un autre pour désigner la même chose, et ça mêle, c'est un truc de fou. Bref, en gros, je vous explique. Je fais ma déclaration de TVA. Alors, c'est très technique. J'ai une micro-entreprise, une première entreprise, donc je déclare en gros du ménage et du coaching de vie. Cependant, alors tout le monde s'est déjà barré de la vidéo, je sais. Cependant, écoutez bien, donc il y a deux activités au sein de ma première entreprise. Quand tu fais une micro-entreprise, c'est légal, tu peux mettre autant d'activités que tu veux, mais une administration a dit que ça ne se faisait pas. Pourtant, voilà, c'est comme ça. Bref, pour se conformer, j'ai créé une deuxième société. Donc voilà, c'est tout un cirque, mais c'est pour vous dire, ne lâchez jamais dans la vie. Alors j'aime bien dire ça. Au début, quand j'ai commencé mon activité dans les ménages, dans les services à la personne, je suis tombé sur... Il demandait déjà une certaine somme. Et au début, je faisais 0 euros de chiffre d'affaires. Ou alors, genre 400 euros par mois, tu vois. Et à un moment donné, j'ai dit en rigolant. Vraiment, c'était en rigolant. Maintenant, je fais plus cette blague, du coup. J'ai dit, oh, bah, puisque vous me taxez à ce point... c'était pas du tout valable en fait, parce que il fallait respecter un certain chiffre d'affaires et j'étais à 0 à 400 euros. En gros, il me demandait plus sur l'année que ce que j'avais gagné, donc c'est plus que du racket. Tu vois, on dit qu'on a 50% en prélèvement obligatoire en France, et quand on te demande plus de 100%, tu te poses des questions quand même. Donc ce n'était pas légal, et c'est pour ça que j'ai dit en rigolant, sur un ton très sérieux, puisque c'est ça, j'arrête mon activité. Et la personne, un coup qui s'est d'accord, la personne des impôts, là, cette fois-ci, m'a dit, oh, bah, puisque c'est ça, arrêtez votre activité, bah voyons. Vous imaginez si je m'étais contenté de ça. Bon, cela dit, c'est moi qui ai dit, bah si c'est ça, j'arrête l'activité. C'était pour dire, pour donner une réflexion. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, s'il n'y a pas de réflexion. Ou il fait semblant de ne pas comprendre, comme moi d'ailleurs. Et voilà, c'est tout un cirque, les amis. Mais ne lâchez jamais dans la vie. Alors, le sujet quand même de la vidéo, c'est Jean-Jacques Goldman. Alors, c'est un format vlog. Hein. Bientôt, j'arrête les vlogs. Hein, parce que ça ne marche pas du tout, en fait. Mais dans quelques années, vous reverrez ces vidéos. Donc, je suis Jordan, objectif premier YouTuber de France 2026. Donc vous pourrez voir où j'en suis. Je tourne cette vidéo en 2023. Donc nous sommes 961e YouTuber de France au moment où je parle. Et c'est aussi pour montrer que même quand tu es dans la merde, bah, tu vois, il faut toujours y croire. C'est facile de croire quand tu es au sommet, tu vois. C'est facile de croire quand tu es au sommet. Comme Jean-Jacques Goldman, on pourrait dire. C'est facile de dire Jean-Jacques Goldman, tout lui réussit. Et tout est facile, tout est beau, tout est rose. C'est la personnalité préférée des Français. Voilà, j'ai redécouvert ça il n'y a pas longtemps. Et il reste toujours numéro 1, le gars. Hein. Voilà, voilà. Et c'est pour vous dire que même Jean-Jacques Goldman, bah, il a des difficultés dans la vie. On a tous des petits tracas de la vie. Mais je préfère voyager sur ces tracas, comme là, je suis sur les t-shirts. Ah, je suis bien. Il y a Emmaüs qui a participé. Ils ont donné pas mal de t-shirts. Tout n'est pas Emmaüs, là. Donc, vous m'envoyez vos t-shirts au moment où je parle, en novembre 2023. Donc, ça fait un joli tas. Il y en a encore un autre dans la chambre. Moi, qui n'aime pas cumuler, bah, je suis gâté, là. Donc, le record, pour ceux qui sont là pour la première fois, c'est de mettre le plus de t-shirts, de porter le plus de t-shirts possible en même temps. Donc, le record est à 260 et je souhaite le porter... Je vais le porter à 500, ok? Officialiser Guinness World Record, ok les amis? Voilà, donc c'est encore des papiers, je sais, mais là c'est très important, quoi.
C'est un niveau mondial quand même. Donc là, je veux bien faire des papiers pour ça. Mais quand tu me casses les pieds pour avoir 2-3 euros, bon, voilà, bon, je te les donne, tes 2-3 euros et pars, quoi. Mais c'est pour vous dire, focalisez votre énergie. Par exemple, un exemple de focalisation d'énergie, bah, maintenant je reçois beaucoup plus d'appels et je peux plus répondre à tout le monde en fait. Je sais que c'est abusé, je sais, mais donc je fais en sorte de répondre à tout le monde, mais ça devient impossible en fait, voilà. Je vous le dis honnêtement. Et vu que je souhaite que ce soit moi qui réponde toujours, puisque c'est du Jordan, quoi, pur jus Jordan, je veux pas que ce soit un robot qui vous réponde ou quelqu'un qui n'a pas du tout la mentalité du projet, tu vois. C'est comme si quelqu'un se faisait passer pour moi et répondait, tu vois, c'est pas cool. Donc voilà, c'est un choix. Et du coup, donc si ceux qui ont mon numéro de téléphone, bah, préférez me contacter sur Instagram, vous aurez plus de chances de m'avoir en message privé que sur mon téléphone maintenant. Sur téléphone, j'ai laissé un message bah, comme quoi, voilà, j'ai trop de messages. Maintenant, ça sature la boîte à chaque fois. Il y a des gens qui me disent, Jordan, je peux plus te laisser de message. Je dis, mais attends, j'ai supprimé les messages hier. Bon, du coup, je voyais que ça se répétait. J'ai dit, bah, autant qu'il y ait 2-3 insatisfaits, autant que tout le monde soit à égalité, quitte à ce que tout le monde soit insatisfait, mais je crois que tout le monde sera satisfait quand même. C'est-à-dire que je laisse sur le même point d'égalité toutes les personnes, c'est-à-dire vous me laissez un SMS ou un email. Au moins, voilà, c'est. Mais voilà, j'assure une réponse. En tout cas, je vais vraiment assurer une réponse. Alors, si les messages ne sont pas sérieux, si c'est pour dire salut, ça va, il y a des lives, nous pouvons parler en live. Ok, soyons sérieux, les amis, parce que nous n'avons qu'une vie. Et je veux pas non plus me perdre à. Voilà, j'ai le sens du détail. Et donc, c'est important de rester focus. Voilà, les amis. À bientôt. Et ouais, Jean-Jacques Goldman, on n'a presque pas parlé, mais c'est pour dire que voilà, tout le monde galère un peu dans la vie, mais c'est le voyage qui est beau. C'est pas la destination. C'est encore une fois, j'aime bien penser à l'idée que je serai premier youtubeur de France. Mais je me dis que finalement ce sera le même Jordan en fait. Et je crois que ce sera ça, ce sera le même Jordan. Il y a des gens qui pensent que si demain il y a du soleil alors qu'aujourd'hui il pleuvait à mort, excusez-moi de parler comme ça, ils vont être heureux en fait. Donc votre humeur dépend de la météo, si j'ai bien compris. Je sais que je vais en. Il y a des gens qui vont se sentir visés, pardon, mais c'est dommage, c'est dommage. Ne faites pas ça, les amis. Vous sacrifiez. Ok? Donc, voilà, les amis. Merci de m'avoir écouté. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, les amis. Ciao. Allez, ciao.